Mamadou Traoré, proche de M. Guillaume Kibafo-Rissouro, fait une terrible révélation en ce jour sur les générations et peuples solidaires. Voici la vérité cachée sur le retour de Guillaume Soro. Pour plus de détails, après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti! Contrairement aux différentes déclarations de M. Guillaume Kibafo-Rissouro concernant le scrutin du 31 octobre 2020, le scrutin s'est bien et bel déroulé en Côte d'Ivoire et le président Alassane Ouattara a été réélu par le peuple ivoirien. Il a été investi le lundi 14 décembre 2020 pour son premier mandat présidentiel de la 3e République en Côte d'Ivoire et le grand dialogue politique a repris depuis ce lundi 21 décembre. Guillaume Soro sort enfin de sa cachette. Monsieur Guillaume Kibafo-Rissouro de son côté est indésirable sur le sol français et fait l'objet d'un mandat d'arrêt lancé par la justice ivoirienne et le président Alassane Ouattara. Une grande situation qui semble inquiéter certains des soristes en Côte d'Ivoire et à travers le monde entier. Face à cette grande situation, El Hadi Mamadou Traoré, proche de Guillaume Kibafo-Rissouro, a réagi sur son compte officiel Facebook en ce jour pour rassurer les soristes en Côte d'Ivoire, y compris en France. Chers soristes, braves combattants, pour un changement qualificatif de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, je sais que beaucoup d'entre eux sont inquiets pour le retour du président Laurent Gbagbo et Guillaume Kibafo-Rissouro, inquiets pour le sort de notre mentor Guillaume Soro et inquiets pour l'avenir de notre beau pays qui est la Côte d'Ivoire, pour déstabiliser le troisième mandat du président Alassane Ouattara. Je veux vous rassurer que Guillaume Soro se porte très bien et a un moral de fer contre le président Alassane Ouattara en ce jour. Quant à votre grande inquiétude par rapport à l'avenir de notre beau pays, je peux vous rassurer, sans être dans certains détails en Côte d'Ivoire, que bientôt sera la fin du calvaire en Côte d'Ivoire, y compris la fin du président Ouattara. Par ailleurs, Mamadou Traoré va encore plus loin et affirme que Guillaume Kibafo-Rissouro ne mettra pas fin au calvaire des Ivoiriens. Contrairement à ce que pourraient penser certains en Côte d'Ivoire, y compris des internautes, Guillaume Soro n'est plus dans une option de coup d'état en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons cette affaire à suivre. Alors chers amis, si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, surtout de partager la vidéo pour nous soutenir. A très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout restez connectés pour la suite des informations. A très bientôt.